Yo, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, petite vidéo que je n'ai absolument pas prévu de faire, mais je suis tombée par hasard sur ces petites enceintes qui ont coûté 9€ alors que de base elles coûtent 22$. Du coup je me suis dit, c'est l'occasion, je vais les acheter. Je les ai achetées chez Action, du coup c'est pour ça que c'était moins cher. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, voilà, une petite vidéo unboxing, on va voir ce que ça vaut. Pour 9€, est-ce que ça vaut la peine de les acheter? Parce que en plus il y a du RGB et tout les gars, franchement ça m'a l'air d'être un truc assez clean. Et c'est de la marque Trust, donc j'ai déjà testé des produits de leur marque. J'avais une manette que j'avais achetée à 20€ et qui marchait parfaitement bien, donc je me suis dit, pourquoi pas tester cette fois-ci des petites enceintes RGB, on va voir ce que ça donne. Du coup voilà, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et puis moi je vous laisse avec la suite. Ok, alors let's go déballer ça, faut que je pose mon micro mais je sais pas trop où. Alors, déjà c'est assez bien emballé, elles sont petites, hein, elles sont assez légères, donc c'est pas de la qualité de ouf j'imagine, vu que bah, j'ai payé ça que 9€. À voir vraiment si ça dure dans le temps, honnêtement ça m'étonnerait, je pense qu'elles vont durer quelques mois, pas plus. Alors voilà à quoi ça ressemble, là normalement il y a le RGB mais ça me paraît très... Bon c'est pas trop de la qualité hein les gars, c'est du plastique et tout, mais on va voir ce que ça donne quand même. En vrai 9€ c'est une assez bonne affaire je trouve. Et ici c'est où on gère le volume je crois. Donc on a des notices aussi pas très utiles. Hop. Alors il y a deux branchements, il y a un truc USB et un autre truc, un port jack. Ok bon bah let's go tester ça. Niveau esthétique bah c'est classique, c'est sobre, ça va hein. On va voir avec les RGB ça va donner quoi. Alors déjà j'ai envie de voir si ça marche avec un téléphone les gars. Ça m'étonnerait parce que je pense que c'est fait pour le PC, mais on sait jamais. Alors testons ça. Je vais mettre du coup le port jack dans le téléphone. On va voir ce que ça donne. Déjà est-ce qu'il y a un truc qui s'allume? Est-ce que les RGB? Non. Je vais essayer de mettre une musique. Ok bon bah sur téléphone ça marche pas, on va tester du coup sur l'ordi. Alors je viens de brancher les deux enceintes avec le port USB, on voit déjà quelques petits RGB. Je sais pas si vous les voyez très bien à la caméra, mais maintenant on va tester le son, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je vais mettre de la techno, comme ça on peut bien tester les basses. Alors les gars, ça fait genre 5 minutes que je galère pour brancher les deux enceintes, genre elles marchaient pas. Et du coup en fait j'avais juste branché le port USB alors qu'il fallait mettre le port USB et jack, c'est pour ça que ça marchait pas. En vrai le son il est pas trop mauvais, pour l'instant ça va. Je peux baisser le son et le monter. En vrai, franchement, pour des enceintes à 9€, pour l'instant, ça fait le taf. Je vais voir les basses un peu. Il n'y a pas trop de grésillement ni rien. Pour l'instant, ça va. Hein. Franchement, c'est clean. Hein. Bon, les basses sont pas très fortes. Attendez, je vais baisser un petit peu. Les basses sont bien évidemment pas très fortes. Mais franchement, pour des enceintes à 9€, ça fait largement le taf. Et le son, quand je le mets à fond... Ok, là il est à fond sur les enceintes, il était à fond sur les enceintes. Le volume était assez fort, après j'ai pas mis à fond sur l'ordinateur, donc voilà. Mais non, franchement très contente de ces enceintes les gars, elles font grave le taf. C'est trop drôle quand tu touches là, ça tremble genre. On peut les éteindre aussi, voilà, là, elles étaient allumées, là je viens de les éteindre. Hop, tu les rallumes, et c'est reparti. Bah voilà les gars, le test et l'unboxing de ces petites enceintes à 9€, franchement bah ça m'a surpris, je suis agréablement surprise parce que en vrai pour 9€ le son il est assez bon. Après les gars je suis vraiment pas une pro, genre ça se trouve je dis vraiment n'importe quoi, mais pour moi le son il est bon. Après niveau esthétique honnêtement moi je m'attendais un petit peu à mieux, mais déjà on a des RGB et ça c'est rare d'en voir sur des enceintes à 9€. Après voilà c'est pas des trucs qui vont durer dans le temps, ça m'étonnerait en tout cas, c'est tout fait en plastique j'ai l'impression, ouais je pense. L'intérieur aussi ça m'a l'air d'être du plastique, après je sais pas c'est peut-être du silicone ou un truc comme ça. Bref j'en sais rien, mais franchement je regrette pas du tout cet achat parce que bah, pour 9€ c'est vraiment pas cher pour le coup. Et j'avais pas d'enceinte dans mon setup, du coup bah, quand je suis allée en magasin et que j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que la vidéo était assez courte, mais voilà c'était une petite vidéo comme ça qui n'était absolument pas prévue de base. Bref j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker les gars, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner aussi, n'hésitez pas à activer la cloche si c'est pas encore fait. Il y a plein de vidéos qui arrivent pendant les vacances. Donc voilà, moi je vous retrouve tous les dimanches à 10h. Ciao les gars, on se voit dimanche prochain du coup. Ciao.